Cherche un cadeau pour Gaël. Hey, ça tombe bien, je vends tous mes bijoux pour une bonne cause. Ah ouais, laquelle? À cause que je veux m'en acheter des plus gros. Mais c'est une belle cause, hein? T'es comme une espèce de cardinal légère. Oui, c'est ça. Bon, donc, c'est un cadeau pour sa fête? Oui, oui, je lui ai montré à quel point je l'aime et à quel point je la connais bien. OK. Elle va avoir quel âge? Aucune idée. Oh, ben tiens, regarde, ici. J'ai un magnifique collier, 15 000 piastres, qui veut dire « je t'aime pour toujours ». Ouais, moi j'ai plus un budget « je t'aime pour l'instant ». OK, donc « je t'aime pour l'instant », « je t'aime pour l'... » Oh, ben tiens, des belles boucles d'oreilles en diamant. Wow. Hein? 500 piastres, aval 3 000. Aval? 3 000. C'est pas des diamants de conflit, ça, là. Oui. Oui, Tony m'y a donné après une chicane. Non, non, c'est pas des diamants de guerre. Oh, non, non, non. C'était juste une petite chicane de rien, là. Il y a 3 ans, Tony m'a dit que j'étais grosse. Non. Oui. Fait que je me suis excusée. Attends, il t'a traité de grosse, puis c'est toi qui s'excuses? Mais oui, pour avoir engraissé. Mais dès que j'ai mis gris, il m'a donné ces belles boucles d'oreilles-là. Hey, c'est vrai qu'elles sont belles. Mm. OK, j'ai prêt. Bon! Veux-tu un emballage cadeau? Ben oui, ben oui. Bon. Ta-da-ta. Ah, est donc belle, cette bague-là. Oh oui, ça, c'est un cadeau de grossesse. Il t'a donné une bague quand t'es tombée enceinte? Non, quand sa secrétaire est tombée enceinte. Mais c'est une longue histoire. Ah ouais. Puis elle vale combien, celle-là? Elle vale 5 000. Mais elle est déjà vendue. Un ami de Tony qui fait un cadeau à sa blonde. Hi, généreux. Oui. Oh, puis acheter un beau bracelet pour sa femme. Je pense qu'on a trop mangé, hein? Moi aussi. Une autre douzaine? Ah ouais, non. Non, non, Tony, une autre douzaine. Deux douzaines. Okay. Ouais, deux douzaines. Hey, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est capable de me suivre. Te suivre? Je te clenche. Pas une bedaine, ça, c'est un trou noir avec un petit nombril. Quoi? Ben moi, ici, là, ça, c'est le gouffre de la malbouffe. Ben oui. Hey, je te dis, là-dedans, là, il y a au moins 3 douzaines d'ailes de poulet. Ben moi, j'ai 3 douzaines d'ailes, toutes les séries qu'il y avait autour, le dépôt complet puis 3 napkins. Es-tu en train de me dire que tu me clenches dans la bouffe, toi? Mais hein. C'est pas toi, il y a 2 secondes, qui disait « Ouf, je pense qu'on a trop mangé. » On exclut la personne qui parle. What? Hey, body boy, server, hey, waiter. Oui? On va te prendre 3 douzaines d'ailes de poulet. Ah, OK, c'est bon, mais je vous ai entendu vous obstiner. Vous devriez peut-être vous inscrire. Inscrire à quoi? À ça. C'est quoi ça? Le tournoi des goinfres. Goinfres, le tournoi des goinfres. C'est un concours pour celui qui peut bouffer le plus de saucisses cocktails en moins de temps. Ah! Je trippe là-dessus, moi, les petites saucisses cocktails. La saucisse cocktail. Hey, ça, c'est le snack parfait, hein? Ils ont jumelé croissant puis roteux. C'est pas un peu cheap pour une place comme le lounge? Ça peut paraître cheap, mais il y a 3 raisons pour ça. Ah oui? Lesquelles? Ben, 1, ça fait de la pub. 2, on a un surplus de saucisses cocktail à passer. Puis la 3e? On sait qu'il y a des go-infres qui se tiennent au lounge. Ça te tente de t'inscrire, monsieur, le gouffre de la malbouffe? Ah! Certainement, monsieur le trou noir. Oublie les 3 douzaines, là. Voyons, non, on s'entraîne. On va en prendre 4! Yeah! Ah! Oui! Quoi, oui, quoi? Oui, oui, 1000 fois oui, j'accepte ta demande en mariage.
Hein, pardon? Oh, wow! Quel bague! Ben oui, quel bague! Ben oui, hein, quel bague! Hey, je suis tellement surprise! Ah, et moi donc! Non, regarde, excuse-moi, il y a une erreur, c'est pas la bonne boîte. Mais on s'en fout de la boîte, c'est la bague qui compte, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Hey, faut que j'appelle ma mère. Non, attends. Quoi? Il y a une erreur. De quoi tu parles? Mais je voulais. Oh! Tu voulais me faire ta demande, puis je t'ai coupé. Excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Dis rien. Avant, je veux que tu saches que c'est le plus beau jour de ma vie parce que tu me demandes de partager ta vie. OK, vas-y, là, je t'écoute. C'est exactement ça, je te le dis. Oh, je t'adore! Oh, Alex! Oh, je suis contente de te voir! Peux-tu croire que je me suis trompée de boîte? Ben oui, je peux le croire. Oui. Donc ça, c'est la tienne. Ça, c'est la tienne. Merci. Et où la bague? Elle est au doigt de ma future épouse. Oh! T'as demandé Gaëlle en mariage. Non, t'as demandé Gaëlle en mariage. Non, je suis déjà mariée. Parce que t'emballes tes boîtes tout croches, là, Gaëlle veut se marier maintenant. Oh, félicitations! Et c'est pour quand? C'est pour la semaine des 4 jeudis. Oh non. Oublie ça, les jeudis. Les mariages, c'est toujours le samedi. Non, il n'y en aura pas de mariage, c'est une erreur. Tu veux déjà divorcer? On veut pas divorcer, on n'est pas mariés, il n'y en aura pas de mariage. Oh mon Dieu, mais Gaëlle va être foudroyée! Oh, comment tu vas faire pour y dire ça? C'est simple. Je vais dire, Gaëlle, Joanne veut te parler. Moi? Tu veux que moi, j'y dise? Mais là, je pourrais jamais faire ça. OK. Gaëlle va garder ta bague de 5000 piastres. OK. Je vais l'appeler tout de suite. Le tournoi des goinfres est organisé par la Ligue des Outre-mangeurs. Il y a une ligue pour les gens qui outre-mangent. Il y a une ligue pour les alcooliques, tant qu'ailleurs. Ouais, ça existe, ça. Ça s'appelle le cégep. Hey, check ça. Il y a Joey Chestnut qui a mangé en 12 minutes 66 hot dogs. Avec du ketchup? Non, non. Avec sa bouche. Toi, tu penses en manger combien, des petites saucisses cactées? Je sais pas combien, mais en tout cas, je sais que c'est... une de plus que toi. T'es-tu confiant ou juste arrogant? Je suis un mélange des deux. Je suis un conrogant. Engages-tu un petit brun? Tu veux gager un nain mexicain? Ouais, ou un 100$. Non! Je préfère l'humiliation. Tu renonces à l'argent? J'ai pas besoin d'argent, moi. Quel genre d'humiliation? Ah. Celui qui perd se lève, puis il se déshabille tout nu, puis il retourne chez eux comme ça. Flambant nul. Hein? T'as-tu peur de perdre? Non, j'ai peur que tu perdes, que je te vois tout nu. T'es pas game. Deal. Là, je dis quoi à Gaëlle pour pas qu'elle veuille te marier? Donne-y des statistiques, c'est déprimant, ça. OK, du genre 50% des mariages finissent en divorce? Non. Mieux que ça, dis que 100% des personnes divorcées, c'était du monde marié. Oh. OK. Mais il faudrait que tu sois un petit peu plus personnel, là. Faudrait que tu y parles de tes défauts. Tu sais, de dire pourquoi tu serais pas un bon mari. Ouais, c'est bon, ça. Dis que je suis capricieux. Capricieux? Je pensais que t'étais bélier. Pas capricorne. Capricieux. Ah! Oui. Ah. Puis dis que j'ai une libido là, volcanique, là, élevée, là, comme mon père. Oh! Ton père était fringant! Hey, mais ça, il a eu 11 enfants.
11 enfants? Oh, ta pauvre mère! Non, non. 11 enfants avec 11 femmes différentes. Hey, attends un peu, là. Ça, là, ça veut dire que Gaëlle aurait 11 belles-mères? 11 belles-mères? Ben oui, marque ça! Marque ça! Elle aurait 11 belles-mères. T'imagines avoir 11 belles-mères? C'est comme avoir 11 belles-mères. Hey! Ça dit tout! OK. Oh, puis je vais rajouter aussi que t'es narcissique. Narcissique. Égocentrique, égoïste, c'est bon, ça. Et ça veut pas tout dire la même chose? C'est juste pour te dire à quel point je pense juste à moi. Mais la meilleure raison pour pas se marier, sais-tu c'est quoi? Quoi? C'est parce qu'on s'aime. Ah! C'est mauvais, ça? Ben oui, c'est mauvais. Un coup marié, là, fini la passion. Hey, non, c'est pas vrai, ça. Tony pis moi, ça brûle tout le temps. Ben oui, mais des antibiotiques pour ça. Je parle de notre passion. Oh, oh, Tony, tu fais encore triper? Oh, oui. Hey, tu peux pas imaginer. Si seulement, là, tu pouvais passer une nuit à serrer tes cuisses autour de Tony, là... Ah, c'est beau. C'est beau. Je peux pas imaginer. Fait que là, tu vas parler à Gaëlle? Oui, inquiète-toi pas, là. Je vais t'engueuler, je vais t'insulter comme du poisson pourri. Ah, merci, t'es fine. Plaisir. »« 52, une de plus qu'hier, yes! »« 52, presque autant qu'hier. »« 53! »« 53! »« 54! » Merci, Joanne, de m'inviter à porter un toast à mon mariage. Mais voyons, c'est normal. Mais, Gaëlle, es-tu certaine que tu veux te marier? Non, je suis convaincue. Vraiment? Absolument. Trouve-moi une bonne raison de ne pas épouser Alex. Une? Oh! J'en ai plein! Ah! T'as fini. 53-53. Égalité. Hé! J'ai mangé 54! Mais non, la dernière, t'as pas mangé, t'as craché avec un canon. Un instant, elle était dans le fond de la gorge. Ça compte comme avalé, ça. Pas pantoute. Hey, tu fais là, toi. Si tu m'avais pas agressé, là, je l'aurais pas recraché. Non, tu serais mort! Hey, change pas de sujet! C'est moi qui gagne, j'ai mangé 54! Une minute, on va checker dans les règlements de la ligue, là. À part de ça, j'étais même pas plein, il me reste encore de petites places. Hein? Hop, Tony, il y a un problème, là. C'est quoi? Tu files pas? Non, c'est que le concours se passe une prochaine. C'est quand? Dans 45 minutes. Oh. Let's go, faut y aller, on va prendre mon char. Hey, moi, je suis plein, je pense que je vais être malade. On va prendre ton char. T'as pas peur, là, qu'une fois marié avec la routine, que Alex soit tenté de courroyer comme son père? Ah, son père? Ah, mais c'est pas pareil. Lui, il était victime du démon du midi. Il a couché avec Suzanne Lapointe. Non, c'est que... Oh, laisse faire, Joanne. Ah, oh, une autre raison. Alors, Alex est un gars égoïste, égocentrique et narcissique. Bon, tu vois, toi aussi, tu trouves ça. Non, mais de toute façon, là, ce que je veux dire, là, c'est que le mariage est pas facile. Tu sais, après 4-5 ans, là, c'est inévitable. Tu te mets à haïr ton mari, là. Tu le regardes, tu te dis, oh, pourquoi j'ai marié un loser? Tu dis ça? Mais non, pas moi. Je pense à François puis Doriane. Puis toi, Tony? Oh non, moi, Tony, il est parfait. Oh, si tu savais, là. Oh, il faudrait juste que tu passes une nuit, là, à serrer tes cuisses autour de toi. On va changer de sujet. Écoute, Joanne, je suis contente que tu veuilles me donner des conseils, mais j'aimerais mieux qu'on en parle plus. Effectivement, Alex n'est pas parfait, mais il est parfait pour moi. Ah! T'es pas exigeante, hein? Non, je sais qu'il m'aime. Regarde la bague qu'il m'a achetée. Montre-moi ça. Oh, ben... Oh, c'est pas vrai! T'es un faux diamant! Un faux! Non, mais quelle insulte, Gaëlle!
elle, garrochis ça en pleine face. Mais non, c'est pas grave. Mais non, je te le dis. Donne-moi là, je vais garrocher, moi. Mais non, mais non. Je vais garrocher. Non, Joanne, je viens de dire que c'était pas grave. Je sais que c'est un faux diamant. Quoi? De quoi tu parles? Mais regarde la grosseur qu'il y a. C'est sûr que c'est du toc. Puis c'est ça qui est drôle, c'est kitsch, c'est kitten. Kitten! Tu trouves ma bague... ta bague, kitten! Oh, écoute, John, et si on portait un toast à mon futur époux? Qui aurait pu penser qu'un jour il me demandera en mariage? Surtout pas lui. Dans le coin gauche, François, le trou noir avec une mangeoire. Dans le coin droit, Tony, le gouffre de la malbouffe. Hey, on est combien là, d'inscriptions dans le tournoi? Ah, juste vous deux. Bon, juste nous deux, tu as des filles? Quoi? Ben, juste deux, soit tu perds, soit tu gagnes. Hey, on n'a même pas commencé, moi je suis déjà plein. Moi aussi. Messieurs, bon appétit, vous avez 5 minutes. À vos marques, bouche prête, mangez. C'est 1-1. 15 secondes. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Yes. Ah, mais le gagnant, avec un total de 2 saucisses en 5 minutes, le gouffre de ma bouffe. Puis, tu parles à Gaëlle? Tout est réglé. Ah, vraiment? Oui? Oh. J'ai expliqué avec moult et moult raisons comment tu serais un mari exécrable. Merci, t'es super fine. Mm-hmm. Donc là... Tu vas être obligé de la marier. Voyons, tu viens de dire que je vais être exécrable. Moult, moult, exécrable. Oui, mais elle, elle veut moult, moult, rien savoir. Mais pourquoi? Oh, elle a dit, oh, Alex, c'est pas parfait, mais il est parfait pour moi. Elle dit ça? Wow! Bon, je sais qu'elle est pas très difficile, là, mais bon... Non, wow, je dis, Gaëlle, même avec tous mes défauts, puis elle me trouve parfait. Non, pas parfait, parfait pour elle. C'est vrai que t'es narcissique. Narcissique. Ah, oh, puis tu reprends souvent les gens, ça aussi c'est un autre défaut. OK. OK. OK, je me rends compte que je trouverai jamais mieux que Gaëlle. OK, je vais la demander en mariage. OK? OK! 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 Gaëlle, j'ai beaucoup réfléchi. Moi aussi. Je pensais jamais dire ça, là, mais là, je suis prêt à le dire. Ouais, moi aussi. Gaëlle, On devrait prendre un break. Pardon? T'as-tu dit prendre un break? Oui. T'as dit à Joanne que j'étais parfait pour toi? Je sais, mais j'ai beaucoup réfléchi aux arguments de Joanne, puis ça a fini par venir me chercher. Mais là, c'est pas ses arguments, c'était les miens! C'est vrai que t'es narcissique, hein? Tout tourne autour de toi. Mais non, je te jure, c'est vrai, c'est les miens! Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais oui, regarde! Yes! Première place! First place! Bravo, Monsieur Saucisse Cocktail.
Elle a quand même fini deuxième. Monsieur, tu veux dire dernier? Pourquoi la couronne? Ah, ça, c'est parce qu'elle a battu un record du monde. Un record? Tu en as mangé deux? Ben, c'est ça, il n'y avait pas de record avant. Là, le record à battre, c'est deux. On va-tu faire un poêle? Hein? Justement, parlant de poêle, Ah ouais? On peut-tu faire keto double? Keto double, keto double quoi? Ben, toi, torse nu, c'est le double de moi? Ah ouais, à poêle. Hey, pas mal mon linge! Tony! Tony! Oh, tu me demandes en mariage? N'est-ce pas, là, Gaëlle, elle veut prendre un break. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, j'ai juste envie de me sauver, partir en catimini. Ah, oh, c'est une bonne idée, ça. Mais il y a pas beaucoup de vent pour faire du catimini. Pas du catamaran, du... Laisse faire. Non, je vais laisser la poussière retomber, là, puis... C'est une expression. Oh, OK. Bien, après? Bon, après, j'ai essayé de reconquérir Gaëlle. Oh, c'est romantique! Oh, quand tu vas recommencer à la croiser, là, j'ai le cadeau idéal. Une belle paire de boucles d'oreilles en diamant. Laisse faire! Non, pas emballer! Bon, ben, bon voyage en catimini!